conférence scientifique. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo présentation de nos recherches et bien sûr de nos tests. Et je serai accompagné, bien entendu, du sujet de test de classe D qui est bien sûr Homer Spice. Tu peux sortir de ta cellule. Allez, viens te présenter à la caméra. Voilà. Bonjour. Et comment allez-vous, sujet de test Homer Spice? Pas très bien, je savais même pas que j'étais un sujet de test. Aujourd'hui, je pense que tu peux le voir. Au logo, les gens se retrouvent dans la fondation SCP une fois de plus. On n'avait jamais testé celui-ci. Vous n'avez pas lu en bas à droite, c'était marqué bienvenue à la fondation SCP, tu vois. Ah, c'était marqué, vous l'avez signé, regardez. Vous l'avez signé, voilà, tant pis. C'était le formulaire B32, voilà. Ok, donc, je vous souhaite la bienvenue, monsieur, dans la fondation SCP. Aujourd'hui, nous allons utiliser votre corps, et c'était d'ailleurs signé, pour justement tester un petit peu son efficacité contre les sujets en question. Les autres sujets. Mais eux, c'est... Alors, attendez, retournez dans le sas. Attendez, je vais vérifier que votre tempérament biométrique ainsi que votre pouls est totalement opérationnel. Je peux constater qu'il n'y a pas d'ordinateur pour vérifier cela. Donc, écoute. Alors là, mon gars, la vie a fait tellement flipper. Ah ouais, genre en mode gros scientifique et tout, c'est ça. Oh là là. Ok, bon. D'abord, on peut lancer le truc. Terminé. Ok, bon, terminé. Alors, je vous rejoins en bas. Ok, Homer Spice. Viens là. Oui. Je t'ouvre la porte. Voilà. Merci. Bienvenue. Bon, alors tu as de la chance, tu es le premier à visiter cet endroit. Hein. Je te présente Alex. Ah bon? Oh, voilà, c'est notre c'est mon cousin éloigné, voilà, tu vois, c'est OK. Bon, c'est du côté roux, tu vois, au niveau des cheveux. Bon, du coup, on va faire le tour un petit peu de l'endroit et on va aller directement. Alors, on va commencer doucement, tu vois, en mode parce que moi je suis stagiaire. Moi, je dois faire mes preuves, tu vois. Donc j'ai intérêt à ce que le test se passe au top du top, tu vois ce que je veux dire. Donc OK. Vous pouvez courir, vous avez le droit. En vrai, alors, on va commencer avec un truc sûr, le SCP. Un casque Beats. C'est ça, 131. Voilà, donc le SCP 131. Donc, comme d'habitude, je vais me retrouver derrière la vitre et vous de l'autre côté de cette vitre. Voilà, oui, on dirait des Digimon, mais. Les Pikmin. Ah oui, les Pikmin. Voilà, bienvenue dans la salle. Voilà. Ils sont sympathiques, vous inquiétez pas. Ça, c'est pas faire du toboggan, ça. Bah, ça a l'air de bien se passer, non? Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends 5 sur 5, écoutez, tout va bien. D'accord, vous pouvez confirmer que ce SCP est calme? Ils ont l'air... Oh, ils ont une jolie voix, ils ont l'air très amicaux. Ah bon? Attendez, je vais ouvrir la porte. Je veux pas rentrer parce que si on se retrouve tous les deux à l'intérieur, on est foutus. Hein. D'accord. Non, y a un passe-badge ici, là. Ah, d'accord, ok, très bien. Oh bah écoutez, ils ont l'air très bien, ok, bon, allez, venez. Ah, on sort d'ici. Bon, bah, écoutez, premier test. Réussi, je note. Ah, est-ce qu'on a des trucs à noter sur l'ordinateur ou pas? Alors, je voudrais m'asseoir, s'il vous plaît. Ah, alors. Zéro style. Très bien. On n'a pas d'échappé dans la fondation SCP. Ok, je vous ouvre la porte. Voilà, on y va. Attendez, je reste là. Pourquoi? Pour éviter qu'il s'en aille. D'accord, non mais vous pouvez, c'est pas grave, y'a pas de soucis. Voilà, bon. On a un protocole très sécurisé, vous inquiétez pas. Bon. Okay, très bien. Alors ensuite, Homer Spice pour le deuxième sujet, le deuxième test, je dirais même. On a bien sûr une chaise. Voilà, donc c'est le, je vous présente le SCP. C'est une blague. 2950. Non, ça va vous rappeler un peu les. Ça va vous rappeler un peu les vacances. Écoutez, les vacances que vous attendiez justement. Voilà, donc n'hésitez pas à rentrer tranquillement justement. Remarque pour vous, attention, la mort vous attend. Quoi? Non, c'est pas marqué ça. C'est marqué pour que le SCP prenne effet. Vous devez rester dans le fauteuil pendant 10 secondes. Vous m'entendez, Homer Spice, 10 secondes. Je dois compter. Oui, comptez. C'est-à-dire que bon, un. Après, c'est quoi? 4 non, non, bon, bah écoutez, bah alors le test. Le sujet de test ne sait pas. Ne sait pas compter. Je prends note, voilà, je vais le noter sur mon ordinateur. D'ailleurs, aucun hostile, hein, d'ailleurs. Rien à signaler. Je peux plus m'asseoir dessus, elle est trop chaude. Hein. Oh, elle est rouge. Attends, elle est rouge. What? Attends, c'est moi ou je rêve? Mal, ça je vous jure, c'est pas mal. Attendez, attendez, ne paniquez pas. Ma combinaison n'a pas d'étain dessus. Ah, vous avez un trou. Je crois qu'elle a été. Je crois que votre fessier a eu un bon contact avec pour que ça réagisse comme ça. Elle devient vachement rouge là. Y a quelqu'un? J'entends rien du tout moi. Ah, d'accord, ok, mais moi non plus. Écoutez, bah tout se passe bien. Bon, bah c'est juste une chaise. Je note. Qui devient rouge. Attendez, je veux voir s'il y a. Bon, il y a l'air d'avoir. Ah, y a un truc. Ah, attendez, il y a personne qui a de spawn. Mais faites-moi sortir de là. On dirait un démon. Non, mais. Attendez. Faut que je dois prendre des notes, c'est pour YouTube, je veux dire pour mon rapport. What? Oh, c'est le démon, c'est l'exorciste.
Ok, c'est bon, sortez, sortez. C'est bon, j'ai juste ce que je voulais. Sortez, c'est bon. Ça va aller, ça va aller. Non ! Ça va, Floyd ? Vous avez pas été fouillé, c'est pas possible ! Non, 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 calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous ! Vous savez quoi ? On va sortir d'ici, je vais vous... voilà, suivez-moi, je vais vous montrer un endroit un peu plus... hostile, plus sympa. Quoi ? Plus sympa ! Voilà, écoutez, hostile, nous, dans le terme, dans la fondation CP, c'est sympa, voilà. Alors, on va aller par là. Ouais. Vous me suivez toujours, hein, c'est bon ? Ok. Ouais. Donc, je vous présente le SCP 9999. Enfin, 999. Voilà, c'est pas le 9, voilà. C'est un Monster Munch. Bonjour. Voilà, donc ça va. Il veut que des câlins, tu vois. Donc je vous avais dit que c'était. Oui. T'es coincé dans la balançoire. Ah. S'il te plaît, Billy, évite de marcher dessus la prochaine fois. Je suis bloqué dans le toboggan. Ça arrive. Il t'a sauvé. Merci, Billy. Voilà, c'est notre fidèle employé, c'est l'employé. Doucement, c'est l'employé du mois, regardez, il a même son petit rangement et tout pour les. Vous pouvez me sortir le formulaire A38 s'il vous plaît, Billy. Merci, voilà. Très bien. Bon, d'ailleurs, il va nous accompagner pour la suite de la des tests, voilà. Billy, voilà. Allez, c'est parti. Ok, donc ici nous avons le secteur A. Écoutez, moi je suis stagiaire, donc je découvre en même temps que vous. Hein. Chacun son passage, voilà, comme d'hab. Ok. Oh. Du secteur 2, d'accord. J'ai l'accès à tout, moi. Ah, sympa ici, très bien. Alors, grande salle d'observation, comme vous pouvez le constater. Attention, là, on est là, sortie. Ouais, vous passage secret quoi ? Non, rien. Quoi, non, comment ça ? Il n'y a pas de passage secret ici ? Non, 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 non. Ok, non. Bon, là-bas, nous avons quoi ? Nous avons. Alors, je crois que je. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Salle d'interrogatoire ! Oh, regarde, je peux te mettre. Tiens, tu peux être derrière en mode. Where are you ? Bon, allez. C'est où, caché ? Où est-ce qu'il est caché ? Dites-le nous ! Billy ! Billy ! Où est le sac ? J'ai besoin d'un interrogatoire là ! Je savais que mon interrogatoire. Ça aurait été trop drôle, tu sais, de l'avoir avec nous. Ok, bon ! On va se rediriger dans l'autre secteur. J'imagine que c'est là-bas que nous avons bien sûr les tests, enfin les sujets de tests plutôt agressifs. Là, hein ? Oh ! Oh ! Oh ! Ça va les tests, sortez de là ! Non, je bon. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire aujourd'hui, l'ami. J'ai des super géants qui s'accrochent bien au mur. Ouais, je vois ça, c'est des ventouses, c'est des ventouses. Bon, si on retourne par là, normalement, nous allons avoir accès, bien sûr. Écoutez, non mais laissez Billy travailler, laissez-le. Un autre test. Secteur 3, vous êtes sûr, là ? Oui, allez, je vous présente le SCP-066. Voilà. Allez. Bah d'accord, enchanté, au revoir. Non, non, mais rentrez, attendez. Ah bon ? Oui, oui, il faut rentrer, voilà, c'est bon. Ok. Vous êtes sûr ? Oui, je suis sûr, voilà, allez. Y'a un chewing-gum écrasé au sol. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, comment que ça se passe ? Non, laissez-moi tranquille. On dirait qu'il y a eu le coup de foudre pour vous, non ? Non, 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 non. Attendez, ne sortez pas ! Faut pas qu'il y ait d'incident, oh ! Après, s'ils sortent, c'est pour ma pomme. Bon, ça s'est bien passé, okay. Vous avez vu. Bon, je vous l'avais dit que ça allait aller. Ok, très bien, on continue par là. T'entends des voix ? Ah, Billy ! Voilà ! Oh. La pause café s'est passée comment ? Ah, d'accord, ok. Bon, bah, écoutez. Il va vous défaire vos lacets, là. Oh, salle de transformateur, hein. Voilà, je vous présente la technologie. Voilà, y'a rien à voir. Allez, on se casse. Oui, c'est très sombre. Oui, c'est l'ambiance SCP, c'est normal. Ok, bon. Ensuite, je vous présente Keter. Enfin, je veux dire le SCP 409. Ah, je n'ai pas l'accès. Attendez. Okay. Je vais faire en sorte d'avoir l'accès. C'est bon, j'ai l'accès. Vas-y, rentrez dedans. C'est un cristal après tout. On vous surveille, Billy. Ah, Billy vient vous accompagner apparemment. Ah, voilà. Ça va, tout se passe bien? Quoi? Il se passe quoi? Je prends des dégâts! Ah, attendez, je vous sors de là! Je vous sors de là! Ok, donc apparemment, le cristal émet des ondes dangereuses. Très bien. Bon, bah écoutez, au moins, c'est noté. Merci pour votre. Mais ça va aller ou quoi là? Non, c'est. Je vais le perdre avant d'avoir continué, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez mon bras! Mon bras! Oh! Bougez pas, je dois filmer. Effectivement, une. Ah, ça pique. Me touchez pas. Vous m'avez contaminé. J'espère que non. Vous m'avez contaminé. Mais qu'est-ce que c'est? Espèce d'abruti. Ok. Allez, prendre une douche. Baignoire 1299. C'est le moment. Okay. Oh, je me sens vraiment bizarre. Monsieur. J'ai un cristal. J'ai peur. Ouais. Tout va bien? J'entends des choses. Qu'est-ce que... Y'a quelqu'un avec vous dans la baignoire! Oh, il essaye de vous noyer! Sortez de là! Non! Oh, il t'a tué!
Il t'a noyé en fait. C'est horrible. Mais c'est horrible. C'est un fantôme qui t'a noyé. Très bien. Ah, c'est bon, Summerspace, cette sortie de l'infirmerie, c'est ça. Ouais, enfin bon. Ouais, bon, écoutez, de toute façon, voilà, moi c'est pareil parce que je commence à être malade, hein, j'ai envie de vous dire, avec vos cristaux là. Je vous présente du coup le SCP-173. Alors, qui a l'air totalement accueillant, hein. C'est encore un truc Euclide, moi j'aime pas trop ça. Ouais, bon, c'est bon, on dirait juste qu'il a un sac Carrefour sur la tête, mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est rien. C'est... Ah ouais, ah ouais. Ok. Alors, c'est une double porte, voilà, c'est pour éviter les courants d'air, c'est pas une question de sécurité, hein, vous inquiétez pas. Ah ouais. Voilà, c'est ça, donc je vous laisse. Eh ben, vous allez rester. Ah non bien sagement en bas. Ah non. Ah non, hein. Ah non. Ah non. Non. Ah non. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez me faire? Qu'est-ce que vous allez me faire? Ah non. Ah non, 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 pas moi. Non, je suis chercheur, moi. Je suis pas un classé, moi, ok. J'en ai marre. Kevin. J'ai pas signé pour ça. Kevin. Viens là. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, oh mon dieu. Très bien. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis mort. Je suis mort. Je vous avais dit de ne pas jouer à ça, hein. Overspace. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Vous allez faire quoi? M'amener dans un secteur plus dangereux que ça? Oui. Exactement. Quoi? C'est exactement ce que je vais faire. Sortez de là. Sortez de là tout de suite. Sinon, vous allez prendre un coup de carte. Oui, j'ai que ça sous la main. Désolé. Hein, c'est... On fait avec ce qu'on a. Immortel. On fait avec ce qu'on a. Voilà. Bon, j'espère qu'il est enfermé. J'espère qu'il est dans un... Oh non. Alerte. Alerte. Ok, on a un SCP hostile. L'alarme, faudrait peut-être la déclencher, non? Je peux pas la déclencher? Pas me laisser avoir comme ça. Je peux pas, y'a que la sécurité qui peut le faire. C'est une blague. Je peux rien faire. Est-ce que j'ai des commandes de radio? Radio. Je peux pas déclencher l'alarme. Bon, alors, on va devoir, à cause de vous, on va devoir contourner. Parce que le secteur où je voulais aller. Ouais. Attendez, est-ce qu'il est encore là-bas? Oh oui, il est là-bas. Oh l'enfer. Il est avec Kevin. Bon bah Kevin. Dans la salle de contrôle qu'on peut activer l'alarme. J'en sais rien. J'en sais rien. Oh, ok, je suis à la salle de contrôle. Et alors. Ouais. Très bien. Bon, j'ai eu l'accès. Alors est-ce qu'on peut déclencher l'alarme ici ou pas? Viens sur le système. Oh, oh mon c'est dieu. Trop bien fait. C'est quoi raid? Oh. Ah, tu peux commander un raid. Et là? Manifester avec... Oh, c'est génial! L'alarme et tout! Oh là là! Tellement là bien là là. Fait! Et là, on peut voir que le SCP-73 s'est bien échappé, regarde! On voit où il est? Bah, je sais pas, mais j'ai l'impression, oui. Mais ouais, il bouge! Il vient vers nous, là, non? Attends, mais c'est horrible! Ouais, il bouge, je confirme! Il se balade! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, 96. Alors, ça, c'est les pires, hein. C'est les pires, les 4 là, je pense. Donc le point jaune c'est nous, hein. Oui, j'imagine ça. Ok, il se déplace mais ça va. Ok, très bien. Bon, à cause de vous, je suis obligé de coopérer avec vous. Très bien. Ouais. Bon, je vais vous amener dans un autre. Vous savez quoi, je vais vous amener dans un autre secteur. On va désactiver l'alarme parce que sinon on va inquiéter tous les futurs stagiaires. C'est rien. C'était un test d'alarme. Tu sais, c'est comme les mercredis, le premier mercredi du mois avec les pompiers, tu vois. Voilà. Ouais. C'est pareil. Ok. Alors suis-moi. J'ai un autre endroit à vous montrer. Je voudrais pas être celui qui me tire une balle dans le pied, mais juste à droite là. Oui, bah quoi, justement, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous montrer qu'effectivement, c'est un salon SCP-002 totalement détendu. C'est la meilleure détente qui puisse exister au monde. Hein. On est à la pointe de la technologie. Regardez. Vous moquez de moi ou quoi? Mais regardez, mais c'est rien, c'est le design. Ça a été fait par un architecte suédois nommé Truc Tuk Tuk. Tu vois, c'est. Ouais, voilà. Le allez-y, le pauvre. Y a un système de commande en bas ou. Ouais. Oh mince, c'est fermé à clé. Attendez, je peux m'arranger. Voilà. Allez. Non, c'est à votre tour. Je serais curieux. Attendez, laissez-moi monter. Je dois faire un bilan de l'observation. Alors, il y a un sas. Est-ce que je change tout? Oui, le sas, c'est On dirait quelque chose qui donne des maladies à couronne. Oui. Est-ce que vous pouvez quand même retourner dedans, s'il vous plaît? Ah, qu'est-ce que vous voyez, Overspace? Je viens de mourir. Ah d'accord. Ah genre... What? C'est quoi cette zone? Vous allez mourir! Mais c'est horrible! Non mais c'est quoi cette zone? Tout est rouge! Mais vous aussi et puis vous allez mourir. Oh non, vous êtes pas sérieux. Ah bah si. Ah bah si, je vais mourir. Ah bah oui, regardez, je deviens tout rouge là. Ah bah ça y est, c'est la mort! Je vais mourir! Mais sans déconner. Je vais mourir.
C'est qu'est-ce qui se passe? Ah! Bon bah je suis là. Ok les gens, c'est bon. On est en contact avec les SCP. Cours! Cours! Oh, c'est bon. Faut qu'on passe par là en fait, on est obligé. Ok. Kevin. Salut Kevin. Ok bon. Vous êtes fiers de vous, j'espère, Overspace. J'espère que vous êtes fiers de vous. C'est bon, c'est pareil. Ok. On va aller à gauche. Suivez-moi. Vous allez gagner le ticket d'aller dans un autre secteur. Ok. Bienvenue. Alors je crois que c'est le secteur 2. Secteur 2. Voilà. Donc c'est un secteur encore en test. Donc groupe de travail mobile, ça c'est ce que vous méritez totalement, hein, c'est d'aller bosser ici. Ensuite ici on a... Attends. On a un sas qui souffre pas, c'est pas grave. Il est pas en utilité, ok d'accord. Très bien. Ah voilà, c'est bon. Attendez, je fais en sorte de pouvoir ouvrir. Okay. D'abord, j'ai l'accès. Vous avez vu, hein, sacré accès. Hein. Okay. C'est une autre partie du complexe. Voilà, vous avez vu, on a encore des trucs là-bas à voir. Venez, suivez-moi. Vous avez de sacrés moyens en tout cas. Ah bah écoutez, je suis le direct. Le stagiaire. D'ailleurs, ce serait pas trop incognito votre émission. Ah, pas du tout. Et je vous présente du coup la SCP 008. Non. Voilà. Donc, c'est un gaz. C'est rien de spécial pour vous. C'est un homme fort, après tout. Voilà. Allez renifler ce doux parfum qui est le parfum vert. Bonjour. Ah, vous êtes en train de devenir vert. Ah, bah vous avez pas l'air très en forme, Overspace là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors, vous êtes en zombie. Énorme. Ok, je prends des notes. Overspace zombifié par SCP 008. Ah, attendez, vous inquiétez pas, j'ai un bon docteur. J'ai un bon docteur. Ne vous inquiétez pas, j'ai un bon docteur à vous présenter. Vous allez voir. Une infirmerie. Non, mais j'ai le meilleur des meilleurs des docteurs. Voilà. C'est un SCP, mais vous inquiétez pas, il est très. Très talentueux, j'ai eu la chance ou la malchance, j'ai envie de dire, de l'avoir rencontré. Donc, non, c'est parce que je suis pas fan des médicaments. J'ai l'impression que je dois pas vous faire confiance sur ce coup-là. Je présente le SCP-049. Allez-y, c'est un très bon docteur. Bon docteur. Voilà, allez-y. Non, mais quoi? Eh ben, il vous soigne. Bon, il est un peu violent à sa manière de soigner, mais. Non. Il peut tuer ou pas? Aïe. Oh la vache. Oh! Ah! Non. Overspace? Il vous a. Bon, tu me diras, il vous a tué, mais il vous a soigné d'une certaine manière. Bon, bah écoutez. Ouais, c'est une solution. Oh la vache! Mais il est tellement violent! Bon, c'est bon, Overspace, il vous a donné une ordonnance, le médecin là! Il m'a dit, ne retournez pas voir Fio Jumper! C'est pas moi. Moi, je suis Fio Jumper, chercheur stagiaire. C'est pas le même, voilà. Alors, je vous présente du coup la SCP-966. C'est quoi, c'est une salle noire? C'est peut-être un homme invisible. Vous entendez pas des bruits genre dinosaures? Il est derrière vous! Il est derrière vous! Non! Sortez! Ah, sortez! Au secours! Non! Oh la vache! Oh, il est... oh, ils sont pas tout seuls! Revenez! Oh non! Ah! Ah, je suis coincé avec eux, mais... Ok. Vite. Revenez, Overspace. Revenez. Oui. Ah. C'est horrible. Mais je ne suis pas là sur les tests. Oh non, ils sont dans le couloir. En plus, on les voit pas. J'arrive un peu à les distinguer, mais c'est chaud. Ils savent grimper ou pas? On peut pas grimper plus. Ah. Je vais peut-être les coincer là. Ah non, je crois que c'est par là que t'arrives. Pas une bonne idée, ça. Là, je suis près de la porte du secteur 2. Oh la vache. Oh, ça sert trop vite! Est-ce que je peux passer? Attendez, j'ai une idée. Oui. Bonjour! Attendez, j'arrive. Y'a quelqu'un? Allez! Mais ferme-toi! Attends, j'arrive! Bloqué! Oh oui! Attention! Ils sont là! On dirait que tu tiens avec un pistolet à mousse. Non. Oh non, tu l'as séparé. Oui. Oh non. Vous pouvez m'ouvrir, ce serait parfait. Ah bah attends. J'arrive. Il est où? Viens avec moi, il me suit. Okay. Mais non, on aurait pas dû les séparer. C'est bon, il me suit, il est avec ça moi. Non mais ça va être encore plus dur d'avoir les deux. Venez. Chez moi, il y a un autre test à faire. C'est le mec qui lâche pas dans sa tête. L'objectif, c'est les tests, tu sais. C'est. Allez. Venez. Je passe au dernier moment. Ça marchera pas.
Ça marchera pas. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. J'ai essayé deux fois déjà. Ok, on y va. Ok. On va les semer. Ok. Rentre-le dedans. Ok. Ok. Oh, ils sont là. Oh, oh, ils sont là. Okay. Oh, c'est horrible. Il y en a plus qu'un. SCP-96. Vas-y, rentre là-dedans, c'est lequel? SCP-467. 57. Vas-y. Okay. Oh, il t'a suivi. T'es un dragon, quoi. C'est un fantôme de flamme. Oh, c'est une flamme. C'est une flamme qui se bat toute seule. T'as des cartes fantastiques. Ça brûle ou pas? Je sais pas. Ça a l'air d'aller. En vrai, ça va. Sors. Oh, dommage. Okay. Faut les coincer. Oui, je vais y arriver. Oh non, il a sorti les deux. Au revoir. Oh, il t'a tué. Non. Ah, c'est bon, les amis, tout est sur contrôle. Et sur contrôle, et sous contrôle aussi. Donc, juste avant, on se retrouve avec l'homme timide, alias le SCP-096. Ne jamais le regarder dans les yeux, c'est un conseil que je peux vous donner. Veuillez bien garder vos bras à l'intérieur du véhicule. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. Si tu le regardes dans les yeux, il va vraiment faire un truc. Il se lève. Non. Il est horrible, mec. Ok. Très bien. Alors, il peut... Si je Moi, si je le regarde de si loin... Il se passe rien. Avec des dos au mur. Non. Bon. J'essaye de les faire aussi, mais je peux pas faire les deux en même temps en fait, moi. Ah! Wow! Qu'est-ce qu'il a? Non! Il est vénère! Attention! Wow! Il m'a tué aussi. Oh. Il est reparti en son coin. Wow! Il est vénère de ouf! Oh. Il m'a défoncé, mec! Il m'a défoncé! Horrible! Il est horrible. Et je crois qu'il en restait un justement. Alors oui, il y avait celui-ci aussi également qui était... Bon, il est sûr, hein, voilà, donc bon, un truc sûr, hein. C'est pas ce qui nous intéresse le plus, c'est juste un livre, hein, tu vois, parce que c'est un bouquin, tu vois. Alors, je te conseille d'aller, tu sais, dans la fameuse salle où il y avait bien sûr le loup. Ça te dit quelque chose? Ouais. Direction la salle du loup, mon cher ami Overspace, pour le dernier test de cette fondation SCP. J'aime bien les loups. C'est vrai? C'est comme les chiens. Oui, bah écoute, bah, celui-là il est un peu spécial, hein, tu vois, je te le dis. Hein. Ok, bon, attention. Ah! Bah vous y êtes déjà apparemment. Vous êtes pressé ou quoi? Bon, bah écoute. Et bah écoute, je te présente du coup le SCP-023. Voilà. Donc, pouvez-vous changer si vous voulez là, mais. Voilà, c'est. Bon, bah écoutez, bah, c'est parti. Bah voilà. Allez-y! N'oubliez pas de. Petit. Oh, les yeux rouges! Oh, c'est le démon, mec! Au revoir, bonne journée! Mais c'est un rat! Oh, il est horrible. Non. C'est un rat ou un loup? Je... Ah oh. Non, c'est bon, tout va bien. Ok. Oh bah écoutez, on va aller voilà, se désinfecter un petit peu. Ah. Voilà. Je me sens déjà mieux. Voilà, on va voir. Pour pouvoir en terminer avec cette journée de test qui a été terrible. Oh là là. Voilà, et j'arrive bien sûr dans la réserve. Eh bah écoutez les amis, dans tous les cas, je suis pas radio avec Overspace, ne vous inquiétez pas, voilà. On va s'arrêter là du coup pour la série de tests sur SCP Roleplay dans Roblox. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, quand même, vous avez bien sûr lâché un maximum. Il y a un troll, il y a une tête de troll sur un baril. Un maximum de likes, ainsi bien sûr, allez voir les deux points de vue de vos abonnés bien sûr aux deux chaînes. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour ce reportage. Ah, le voilà, bah tiens, viens voir. Regarde, il y a une tête de troll, regarde. Juste ici, regarde sur le baril. Mais lol. Bah oui. On a trouvé un secret de la fondation ACP. Ils ont les têtes de trolls peints sur les barils, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi notre reportage. C'était le chercheur, le jumper et Overspace de classe D. Et on est les quatre, et attends. Ciao les amis.